j'espère que ça va bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'ai décidé de me lancer sur YouTube. Ça faisait vraiment longtemps que j'y pensais, mais j'étais vraiment gênée puis stressée de le faire. Mais c'est le grand jour. Donc, j'ai l'intention de faire des vidéos de make-up, des vidéos de mode, plein de sortes de vidéos en fait. Puis, j'aimerais vraiment ça faire des vlogs aussi. Donc, pour ma première vidéo, j'ai décidé de faire un 10 faits sur moi pour que vous appreniez mieux à me connaître. Puis, c'est ça. Donc, j'espère que vous allez aimer et je vous laisse écouter la vidéo. Bon. Donc, premièrement, je m'appelle Vanessa, j'ai 20 ans. Et j'étudie dans le domaine du droit à l'UQAM. Je suis la plus jeune d'une famille de 4 enfants. J'ai 2 grandes sœurs et un grand frère. Je suis vraiment le bébé. J'ai vraiment un amour inconditionnel pour les chats. Honnêtement, on me décrit... J'adore les chats, ok? Les personnes qui aiment les chats, vous allez bien vous entendre avec moi parce que j'adore. J'en ai d'ailleurs un. Il s'appelle Luffy, il est trop cute. Aussi, je me considère vraiment une personne drôle dans la vie. Mais je pense que mon entourage me trouve moins drôle que ce que je pense. Mais bon, je me trouve vraiment drôle. J'adore le maquillage. Je pense que vous comprenez pas. J'adore le maquillage, ok? Puis, comme d'ailleurs, c'est vraiment les vidéos que je préfère écouter sur YouTube, comme les hauls Sephora ou les hauls tour, là, j'adore ça. Mais j'aime vraiment les, le maquillage. Je vais être folle quand j'en ai un Sephora. Mais, ce qui est vraiment contradictoire, puis je me fais quand même reprocher, c'est que j'achète beaucoup de maquillage, mais je me maquille aucunement. Comme aucunement. Je vais mettre du mascara, je vais mettre du cache-cerne dans les grosses occasions, mais je me maquille vraiment pas beaucoup. Ouais, je me maquille pas beaucoup, je sais pas pourquoi, mais j'aime ça. Aussi, il y a vraiment comme eu une mode, je comprends pas ce qui s'est passé avec ce légume-là, mais on voyait partout des avocats sur Instagram, des belles photos avec des avocats sur des toasts et tout. Je déteste les avocats. Oh, mon dieu, je suis pas capable. Peu importe dans quoi, je suis pas capable. Je déteste la texture, je déteste tout. J'aime pas les avocats, j'haïs ça. Je vous le dis, j'haïs ça. Alors, expliquez-moi qu'est-ce que vous trouvez bon là-dedans. J'ai vraiment une phobie, ok, que sûrement que tout le monde, ben plein de monde a, là, je pense. Mais j'ai vraiment peur des araignées. Je deviens hystérique quand je vois des araignées, ok. Juste dire le mot, ok. Ben, j'ai peur qu'il y en ait une. Genre, dans ma tête, je le dis, bon, ben c'est sûr, parce que je suis vraiment malchanceuse. Toujours des araignées dans ma chambre, j'haïs ça, les araignées. Je vous le dis, j'haïs ça. Je sais pas nager. Je devrais peut-être pas m'en vanter à 20 ans, mais c'est pas que je sais pas nager. C'est que, comme vous mettez dans une piscine, je suis capable de nager en petit chien. Mais, c'est tout, là. Tu sais, je vais pas caler, mais c'est tout. Puis j'haïs ça. Genre, j'aime pas ça nager, j'aime pas aller dans la mer ou dans la piscine, j'aime pas, j'aime vraiment pas ça l'eau, là. J'aime pas les poissons, j'aime pas ça. Je suis vraiment quelqu'un, on me décrit vraiment comme étant très souriante, puis c'est vrai, là, je suis vraiment souriante, là, vous allez le remarquer, mais comme t'es, je bonne humeur et tout, mais j'ai vraiment un très gros caractère. Quand je suis fâchée, je suis fâchée. Mais quand je suis de bonne humeur, je suis de bonne humeur aussi. Fait que, un plus. Je pourrais vous dire là, que mon dessert, vraiment mon dessert préféré, okay, c'est un dessert italien. Puis je vous le dis, là, premièrement, moi, le Nutella, c'est ma vie, j'adore le Nutella. Puis c'est les pizzelli. Je pense que vous comprenez pas. Si vous savez c'est quoi, dites-moi que vous savez c'est quoi, ok? C'est la vie, les pizzelli, c'est bon. My God, une chance que je peux juste en manger dans le temps de Noël parce que je vous dis, ça fonctionnerait pas, je pense. Donc, c'est tout pour les 10 faits sur moi. J'espère que vous avez aimé la vidéo, que je vous ai fait un peu rire ou que vous, vous avez les mêmes phobies ou les mêmes choses que vous aimez que moi. Donc, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner ou à me dire que vous avez aimé la vidéo. Et j'espère qu'on va se revoir bientôt. Bye!